celles et ceux qui sont âgés, qui sont âgés de 2 et 3 ans. Et on... The judges are in the middle of the arena. We are almost ready in the collecting ring to welcome the first Yearling male for this first championship dedicated to the male here in Menton. There will be six in this championship. Ils seront donc six à venir en découdre une ultime fois pour tenter d'arborer fièrement la médaille d'or de ce championnat 2016. Cette fois-ci, nous passons, vous l'aurez compris, en compagnie des mâles.
Vous les avez vus individuellement, ces poulains de 1 an. Et bien maintenant, place à l'ultime combat pour la médaille d'or dans ce championnat Yearling Mâle, un championnat qui est parrainé par Edgemanstead. The time of the last battle has come for this first championship dedicated to the Yearling Mâle, sponsored by Edgemanstead. Thank you very much, dear handlers and dear Yearling, for this first male Yearling championship sponsored by Edgemanstead. Thank you.
We have the results for this first championship dedicated to the Yearling males after this beautiful song of the Mediterranean. Nous avons donc les résultats pour le premier championnat Yearling mâle parrainé par Regemanstud. Le soleil revient justement pour le premier championnat mâle. Et donc maintenant, qui de ces six prétendants va arborer cette médaille d'or? Which one of the six contenders in this championship will get the gold medal? Ladies and gentlemen, we're almost ready to welcome the gold medal 2016 for this championship Yearling Mâle sponsored by Regemanstud. Please welcome the gold Yearling Mâle medalist number 103, D. Siraj. And here is, let's clap your hands for D. Siraj, the gold medal. Let's welcome now the silver medal in this championship. The silver medal belongs to number 105, Jal Al-Jassimia. La médaille d'argent pour le 105, Jal Al-Jassimia. Et enfin, la médaille de bronze, and at least the bronze medal, belongs to the German horse number 93, Cyclone OS. Vous avez, mesdames, messieurs, le premier podium réservé à ces jeunes poulains de 1 an. Victoire, une nouvelle fois, des Émirats Arabes Unis et de leur propriétaire et éleveur Dubai Arabian Horse, qui trust une nouvelle fois cette belle médaille d'or. Alors, quand leur honneur, quand l'honneur de D. Siraj puisse retentir l'hymne national des Émirats Arabes Unis. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of the United Arab Emirates. D. Siraj is the gold medal of this Yearling Mâle Championship 2016. It is time now to congratulate them by giving them some presents offered by the sponsor Regemanstud, represented by His Royal Highness the Sheikh Omar bin Umayyad Al Nuaimi. Le sponsor de cette épreuve
que nous accueillons pour les couleurs de Hejmansud, de son Altesse Royale, le Cheikh Amar bin Hamid al-Nouaimi. Monsieur Jean-Claude Guibal, député maire de la ville de Menton également, qui remet la couronne de fleurs donc à desserrage. Et une nouvelle fois, bien que vos applaudissements retentissent, s'il vous plaît, pour cette belle médaille d'or. Nous allons pouvoir saluer, cette fois-ci, eh bien celui qui s'est emparé de la médaille d'argent dans ce championnat. Il représente le Qatar et c'est Jal Al-Jassimia qui est médaillé d'argent. The silver medal belongs to Jal Al-Jassimia for Qatar. He's the son of WH Justice and Anais, the property of its breeder, Alma Al-Jassimia Farm. Congratulations also, and let's go on with the bronze medal. It needs to be congratulated also for Germany. Congratulations to Cyclone OS. La troisième place est donc une place allemande cette fois-ci. Bravo à tout l'élevage Osterhof qui l'a fait naître, qui en est d'ailleurs toujours propriétaire, de ce fils de RFI Farid et de Inspired Naglam. Cyclone OS est en bronze. Thank you very much. Some clap more for this beautiful first podium for the male.